Salut à toi, c'est Sylvain, bienvenue sur RénoWatch. Donc aujourd'hui je te fais un petit vlog sur l'avancée des travaux et aussi par rapport au coronavirus, ce qui me bloque et comment je procède quoi pour l'avancée. Allez, c'est parti. Alors le dernier vlog, je crois qu'on avait préparé pour couler la dalle. J'ai montré un coulage de dalle. Donc voilà, la dalle elle est coulée, ça a déjà bien avancé. Donc voilà, tout est bien fini sur ce côté-là aussi. Et tu peux voir que ici, j'ai commencé à ouvrir. Donc pour dire j'ai commencé à ouvrir parce que je suis un peu beaucoup bloqué. J'ai plus de sable, j'ai plus de gravier. Et il manque aussi du ciment. Et vu qu'on est en période de coronavirus, eh bien, toutes les sociétés sont fermées. Et du coup, je peux rien avancer. Donc j'ai bien étayer tout ça, comme tu peux le voir. Si ça t'intéresse que je te montre comment j'ai étayé, comment j'ai fait ça, et ben tu mets un petit commentaire et puis j'essaierai de faire une vidéo là-dessus, sur les petites photos que j'ai et sur les petites vidéos que j'ai fait déjà. Voilà, tu vois, bien étayé. Donc je te dis que le corona il nous bloque parce que là c'est la hauteur du dessous du linteau à faire et on peut pas le faire. Donc je te montre ça aussi de l'extérieur, plutôt pas mal, ça rend assez bien, c'est un peu chantier quoi du coup, et du coup ça donne ça, c'est bien ouvert. Donc il faut se rendre compte que ça c'est le dessus du linteau et après on va descendre ici tout creuser à peu près pour te dire ici par rapport au sol existant là. Il y a 1,50 m à descendre. Donc ça va faire un sacré trou. Voilà pour ici. Ensuite on re-rentre à l'intérieur. C'est mieux que de re-rentrer à l'extérieur. Et j'ai commencé les bases de l'escalier. Alors ça pareil, un sacré micmac. Se poser les questions à comment... ce que ça va donner déjà. Quelle hauteur on va arriver ici et pourquoi on va y arriver. Donc donc normalement on doit arriver à ce trait là ici. Hop là, je tourne en même temps. Hop. Ici. Donc ça va nous faire un escalier. On prenne un peu de recul. Qui monte. Ça, ce que j'ai fait là en fait, c'est le dessous des marches. Donc la première marche, elle va être ici. Et après, tac 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 tac. Un palier ici. Et ici, on va remonter le reste. Finir comme ça. Je vais aussi faire, quand j'aurai du sable, du ciment et du gravier, je vais faire aussi deux vidéos, une sur le coffrage de l'escalier, parce que j'ai vu que sur le net il y en a pas beaucoup et bien expliqué, et une sur l'escalier, le coulage avec le treillis et tout. Donc si tu aimes ça, tu likes et tu mets un commentaire pour dire que tu veux voir cette vidéo. Voilà. C'était le petit retour sur l'avancée des travaux actuels. Du coup on est un peu bloqué, donc bah voilà, hein, c'est un peu galère, ça m'embête sacrément, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, hein, faut faire avec dans la vie. Il y a beaucoup de situations qu'on maîtrise pas et faut faire avec. Donc voilà pour le vlog. Prochaine vidéo, je sais pas sur quel sujet la sortir. Si tu as une idée. On est en train de faire aussi une petite cabane pour les gamins, donc là on va peut-être pouvoir faire une petite vidéo là-dessus. On va voir. Donc si t'es pas encore abonné, bah bien sûr tu t'abonnes, ça c'est obligatoire. Tu likes la vidéo, tu la partages. Et puis si t'es abonné, tu viens rejoindre les plus de 1150 abonnés à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Allez, à très vite, ciao ciao.